Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel donc de l'Echo 60, Echo 30 ou Echo 80. Donc d'abord vous allez avoir donc dans cette petite valise une petite mixette, deux alimentations d'enceinte, deux câbles de 10 mètres pour aller vers les enceintes et un adaptateur de la table de mixage. D'abord vous branchez votre adaptateur de la table de mixage au courant électrique. Toujours débrancher l'adaptateur quand vous rangez la table dans la valise. Donc vous la branchez sur la table de mixage. Ici, à l'endroit prévu. La table de mixage s'allume avec un point rouge. Juste après ceci, donc, vous branchez un côté de l'enceinte sur la table de mixage, la deuxième enceinte sur l'autre côté. Donc vous avez droite et gauche. Ensuite, sur l'enceinte. Donc vous allez avoir deux enceintes comme celle-ci. Ici, c'est un Echo 60. D'abord, vous branchez votre enceinte au courant électrique ainsi que la deuxième. Avant de brancher le câble de 10 mètres, vérifiez que l'enceinte est bien au minimum ou qu'elle soit éteinte. Votre câble de 10 mètres, vous pouvez le brancher qu'à un seul endroit, c'est sur input. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, il y a un détrompeur ici et là. Une fois que cela c'est fait, vous pouvez brancher un téléphone, un ordinateur, ce que vous voulez sur votre table de mixage. Vous avez deux câbles jack comme cela pour brancher vers une prise casque. Vous branchez, vous envoyez votre musique. Ensuite, sur la table de mixage, ici master level, c'est le volume général, le volume des deux voix. Montre les deux premières entrées. Donc ici, vous avez la voix A pour un premier téléphone. Donc ici, la voie B pour un deuxième téléphone, donc ici, vous pouvez brancher deux téléphones, un ordinateur, un téléphone. Ensuite, donc, donc là j'ai branché sur la voie B, donc je vais mettre la voie B au milieu, on va dire. Et au milieu ici, vous avez master volume, donc le volume général de la voie A et de la voie B, qui correspond donc à mon téléphone 1 et mon téléphone 2, par exemple. Je bascule avec le crossfader sur la voie B, je monte le son. Et ensuite, aux enceintes, je peux ensuite les allumer et monter le son à chacune. Et ensuite, monter le son à la table de mixage. Voilà. Je peux basculer d'une voix à une autre, rien qu'avec le crossfader, pour mixer entre deux musiques. Deux sources. Entre les deux sources musicales. Ensuite, donc une fois que la soirée est finie, quand vous devez ranger votre table de mixage, vous la rangez donc dans la valise qui est prévue à cet effet. Vous baissez le son partout. Vous baissez le son sur la table de mixage, sur les enceintes. Vous débranchez votre table de mixage et vous rangez tout dans la valise correctement. Les câbles doivent être pliés en rond, en cercle. Ils ne doivent pas être enroulés autour de la table de mixage. Vous posez votre table de mixage et ensuite vous rangez les câbles adéquats à l'intérieur.